Allô? 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 Excellent. C'est le fun de vous voir, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Ouais. Gus aussi va être content de vous voir, je vais vous le montrer tantôt. Oh. Je vais juste écrire vos présences parce que je vais être sûre. Parce que moi aussi, je commence à être techno, là. Je m'en viens pas pire, là. J'étais pas techno avant, donc. Mais Zoom va globalement bien, là. Ouais. Est-ce qu'il y en a que c'est la première fois qu'il utilise Zoom? Moi. Ouais, moi aussi. Ouais. Fait que c'est toute votre première ou à peu près là, avec Zoom? Ouais. Il va mieux que Team. J'ai fait les deux. J'ai fait Team, j'ai fait Zoom, puis j'ai fait. Puis je trouve que Zoom va mieux. Juste pour l'affichage, c'est plus facile. Puis si vous regardez en bas, là. Vous pouvez, je ne sais pas si c'est en bas, dans réaction, vous pouvez lever votre main, vous pouvez, si vous cliquez dans l'écran en bas, voir la barre, il y a réaction, puis vous pouvez taper des mains, exact, c'est ça Alexis, puis Daphné, c'est... si vous coronnez bien, vous pouvez aller faire ça, genre, comme ça. Fait que ça aide, puis moi, ça me permet de voir tout le monde, fait qu'on peut s'amuser avec ça. Puis moi, je vais pouvoir partager l'écran puis vous montrer des choses en même temps. Ce qu'on ne peut pas faire avec d'autres logiciels. Parce que là, en théorie, on devrait être pas mal toutes là, sauf deux. Fait que je vais attendre que tout le monde soit présent. Fait que là, je vais... Parce que ça correspond à votre présence de cours, ça, aujourd'hui. C'est bizarre à se voir de même. Mais c'est le fun, en plus on a un chat avec ouais. Le... Oui. Comment il s'appelle? Mathie. Oh, il est un petit peu colleux. Ah, là, il s'en va. On a parlé de lui, il est parti. On va tout emmener nos animaux de compagnie. Ouais. C'est une bonne idée. Attends, je vais aller chercher mon chien. Ok, non. Oh, il est-tu beau? Oh, il est trop beau, ton chien. Ok, d'abord, je vais chercher mon chien. Anyway, il n'y a pas beaucoup de monde à louer. Ben non, c'est correct, on a le temps. On va essayer de rendre ça le fun, là, d'être tout pogné, là. Charlie, viens ici. Allez, Charlie. Apparently, the people on TikTok like this. You walk in. Regarde, je vais vous montrer celle que je ne montre jamais, là. Parce qu'elle ne vient pas avec moi. Allez, Charlie. Charlie. Allez, Charlie. Ah, elle ne veut pas. Oh! Oh, il est donc bien cute. Il est vraiment
vraiment trop cute. Merci. Et si on sera aux examens pratiques par Zoom, vous allez pouvoir le faire avec votre animal de compagnie pour vous. On va peut-être être meilleur de même. Ben oui, on va essayer de se rendre ça moins pire, là. Gustave! Gus, viens! Allez, Gus, viens! Oh! Oh, ben moi aussi d'abord. Oh, lapin! Oh non, pas si j'ai un lapin. Oh, lapin! Il est trop cute ton lapin! Oh, wow! C'est vraiment cute! Est-ce qu'il y en a qui sont tout seuls chez eux ou vous êtes en famille la plupart? En famille. Moi, avec mes animaux. Moi, ma mère travaille. Viviane. On va chercher l'autre cop. C'est pas grave, elle est pas venue dans le bon, mon fils gère mon chien là, en ce moment. Mes chiens. Je pense que Gus s'ennuie de sortir. Là. Il trouve ça pénible. Vraiment pénible. Lui, il est habitué d'être toujours avec moi puis de sortir. Puis mon autre chien a l'air de dire c'est quand il va partir, lui, j'aimerais ça être tranquille. Fait que... On a les deux. Bon, c'est bon, c'est quand même bien. Tout le monde se connecte bien. Erika. J'essaie de noter toutes les présences parce que... Okay. Au moins, Daphné, tu te sauves le voyage. Daphné, elle sauve le voyage mail de Québec, il y a ça. Je pense qu'elle n'entend pas. Non. Non. Il y a certains avantages. Ah, elle revient, elle revient. Je disais que tu sauves le voyagement, chanceuse, un peu pour ça. Tu sauves le voyagement de Québec. Je fais pas mal moins de route que j'en faisais. Ouais. Ça fait du bien. Oui. Mais je préférais avoir les cours en classe pareil. Ah, je pense que je préférais les donner en classe aussi. C'est plus fun. Plus facile aussi de s'organiser. Je suis pas full bonne à distance. Non plus. Ouais, je vais essayer de vous aider. Là. C'est pour ça aujourd'hui que je veux vous parler. Je vais essayer de vous donner des outils, des trucs pour vous aider là-dedans. Là. C'est pas évident. C'est parfait, ça, merci. J'essaie de vous rendre la vie plus facile. Là. Allô? J'essaie d'aider Fanny à se connecter parce qu'elle n'est pas capable. Ah, oh, elle est là, là. Fanny est là, oui. On vient de la voir apparaître. Oh. Allô, Fanny? OK, bye. Ouais. C'était compliqué. Ah, bonsoir. Mais c'est la première fois. Après ça, vous allez voir que c'est facile quand on rentre l'ID de réunion, puis un coup qu'on a Zoom, c'est plus facile après. Ouais. Parce que là, Erika.
Il y en a qu'on voit juste leur nom, là, qui ont décidé d'être gênés puis pas nous montrer leur visage, là. Il y en a-t-il d'autres que vous entendez qui ont de la misère ou... Sabrina, je sais qu'elle n'est pas capable d'entendre, fait qu'on essaie de l'aider pour ça, mais... OK. Dans le bas, en théorie, ça devrait être à gauche de l'écran quand tu descends ton curseur en bas à gauche. Salut Louane! Salut! Bon matin! Pourquoi? Feel cute though! Pas le temps de faire mon café! T'es mis cute un matin, Alex? Hein? T'es mis cute un matin? Oui, Alex. On voit comme une fois de temps en temps tout le monde en gros. Ouais, là, t'es dans le milieu, là, c'est toi la star. C'est là qui parle, je pense qu'il parle le plus, qui est au milieu. Il y a plusieurs modes d'affichage, en fait. Tu peux mettre celui qui parle, tu peux mettre comme en mosaïque, dépendamment comment tu files. Le mode d'affichage est en haut, je crois. Quand tu vas en haut à droite dans l'écran, tu peux choisir affichage intervenant ou affichage d'une autre façon. Mmh. Fait qu'en haut à droite, tu peux choisir le type d'affichage, mettre en mode plein écran. En bas, comme j'ai, tu peux mettre des réactions. Tu peux, si tu veux écrire des choses, tu peux l'écrire dans converser en bas. Oh mon Dieu, c'est un pompe plein de COVID. Puis tu peux... Et je vais essayer de quoi aujourd'hui avec vous autres? Je vais faire un sondage. C'est une nouvelle application que je vais essayer. Écoute, j'apprends avec vous autres un peu. Là. Je commence à m'habituer à l'utiliser, là, mais je ne cacherai pas que j'apprends. Je ne suis pas parfaite encore en techno. Là. Les physios, on n'est pas renommés pour être les plus techno du monde. Là. Que... On avait remarqué, je pense. Ouais. Vous avez dû le remarquer avec vos profs. Réseau, tu as un bouton à gauche, là, en bas à gauche, qui est. C'est Emile. Je n'entends pas si tu parles. Non, mais c'est elle qui parle pas, je pense. Parce qu'il y a son micro qui est barré sur son écran. Ouais, Marie-Soleil, je suis pas capable d'ouvrir mon son comme on fait en bas à gauche, oui. Alexis, lui, il faut l'équipe là, avec son micro de gamer. Ben oui. Faut que ça serve. On l'entend bien. Bon. On a combien? 22 participants. On est censé être... 25. On va se donner encore un petit peu, un petit 2-3 minutes que tout le monde arrive, là, donner la chance à tout le monde à se familiariser. Ça dit impossible à connecter à Marc-Soleil?
30 secondes, Marie-Soleil, je vais aller sur toi. Mais au début, est-ce que tu as dit oui à Marie-Soleil, je t'ai rétabli le son. Est-ce que ça marche, Marie-Soleil? Erika aussi? OK. Si je rétablis le son, est-ce que ça va, Erika, aussi? Oui, là, ça marche. OK, puis Marie-Soleil, est-ce que ça marche? OK. Avec Marie-Soleil, ça marche. Toi, donc, tu vas faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Oui, moi, ça marche. Mm-hmm. Faites un pouce en l'air si ça marche. Oui, je peux même écouter. C'est ce qu'on voit. Excellent. Il y a la petite option. Good. Marc, est-ce que ça marche? Yes. Good. Comment on pourrait gérer? Marc-Antoine, ça marche-tu? Comment on pourrait gérer? Oui. Okay. Bon, Sabrina, elle nous voit, mais elle n'entend rien. OK, attends. Est-ce que tu as activé... Il y a une chance à Sabrina qui a la misère à se connecter. Je pense que c'est la seule. Elle nous voit, mais elle ne nous entend pas. Il y en a qui ont des problèmes, écrivez-les. Pourquoi on ne voit pas la face à Jess et à Ju? Il faut que tu puisses aller sur l'affichage en haut. On a bloqué. Ils veulent pas. Ah, ah. Ah, comment on veut voir vos belles petites faces du matin? Il y en a qui ne veulent pas être vus, mais je pourrais les forcer, là. J'ai l'option de les forcer à mettre la caméra, mais en tant que... Ah, ouais. Je ne ferais pas ça. Est-ce qu'on peut voir Gustave? Oui! Gustave, il est rendu. Ah, il est dehors. Ça arrivé trop tard, on l'a vu tantôt. Attends, je le ressortirai. On a tout montré nos animaux. Oui, dehors, là. Il est... C'était un genre de room tour, mais de nos animaux. Ouais. Je vais vous montrer, moi, je vais chercher Charles. Oh! 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 Il combat la fatigue. Trop cute. Donc, Sabrina, je ne sais pas si c'est correct. Mais en fait, je vais commencer pour tout le monde. Ce qu'on va faire, c'est que mon but aujourd'hui, c'est que je voulais avec vous viser, vous donner un premier bonjour tout le monde. Là, je suis contente de vous voir. Là, c'est plus le fun que de communiquer, de parler à mon PowerPoint en regardant un écran. Là. J'aime mieux parler à du monde. C'est plus facile pour moi. Donc, là, vous entendez mes enfants en background, désolée. J'ai deux ados à la maison et deux chiens, fait que ça se peut qu'il y ait des bruits. Puis un mari qui est en bas en train de travailler aussi, fait que... Bon,
OK. Bon, ma fille a vu que je fasse des blagues. C'est le poisson d'avril aujourd'hui. La session est finie. Ah, oui. Bon, fait que dans le fond, ce que je pense, c'est que nous, on a une bonne nouvelle dans le cours de gériatrie, c'est que on avait quand même fait toutes nos choses pratiques ensemble, tous nos laboratoires pratiques, on les avait fait, les tests que je voulais vous montrer, on les avait pas mal toutes faits. Tout ce qui était théorie, bien là, je l'ai condensé dans les deux dernières semaines pour vous aider à ce niveau-là, fait que vous n'aurez pas d'incomplet en gériatrie. Je vais vous donner une note à la fin, puis ça va être un cours qui va être complété pour vous. Donc, ça va être important de me remettre à date les choses, les travaux, parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir un cours qui est complété. Jusqu'à maintenant, on a jusqu'au 1er mai, qui est officiellement la date à laquelle on devrait retourner à l'école, mais je ne suis pas confiante. Fait que moi, j'ai fait un scénario A puis un scénario B. Dans le fond, dans le scénario que je vous ai fait, c'est qu'on va faire comme si on retournait à l'école, puis on a un scénario de comme si on ne retournait pas à l'école. Donc, peu importe la façon, au 1er mai, nous, on va être capable de finir en gériatrie. J'ai un plan A et un plan B, donc il n'y a pas d'inquiétude pour le cours de gériatrie. C'est un cours que vous allez avoir complété à la fin de la session. Les seules notions qui vont vous manquer par rapport à... aux autres cohortes précédentes, c'est la notion en CHSLD. C'est l'expérience de vivre avec un patient en CHSLD. Ça, c'est la seule chose que vous n'aurez pas vécue. Puis, je pense que même si on retourne en classe, ça ne sera pas possible. D'après moi, ça serait surprenant qu'ils nous permettent l'accès au CHSLD parce que c'est le milieu qui est le plus à risque pour le COVID. Donc, c'est certain qu'on n'ira pas en CHSLD. Par contre, vous allez avoir en stage la possibilité de côtoyer la clientèle gériatrique dans vos stages de gériatrie. Donc, c'est juste que ça ne sera pas de quoi que vous aurez vécu dans le cadre de mon cours. J'aurais bien aimé casser la glace avec vous dans ce cours-ci. C'est la seule chose que vous allez manquer. Pour le reste, c'est des choses qui vont rester similaires. Mais autrefois, dans les cours de gériatrie, il n'allait jamais au CHSLD. C'est seulement depuis que j'enseigne le cours de gériatrie qu'on va au CHSLD. Donc, tu sais, c'est pas dramatique au niveau de votre enseignement. Je pense pas que ça va vous nuire à long terme comme TRP. Vous allez l'apprendre assez bien sur le terrain. Donc, l'important, ça va être de vraiment aller regarder les notions qu'on va voir. Là, je vous ai fait plein de choses pour essayer de vous organiser. Là. Moi, dans la vie, là, j'ai un TDAH. Là, fait que moi, quand on me laisse tout seul à la maison puis que je dois m'organiser tout seul, c'est bien difficile. Fait que j'essaie de compatir à ceux qui sont comme moi. Fait que je me suis dit que ceux qui ne sont pas comme moi, ben ça va aider si je les organise. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai mis dans le plan de cours une section aide-mémoire. On va regarder ça ensemble. Puis j'ai aussi utilisé le calendrier qui est sur le calendrier qui est sur Léa. Donc, à ce moment-là, ça va vous permettre de voir à chaque jour les choses à faire puis comment les faire. Donc, si on regarde, là, je vais aller partager mon écran puis je vais vous montrer le plan de cours. OK? Comme vous voyez, je ne suis pas encore si bonne que ça. Partager l'écran, là, vous allez voir. Donc là, on va aller voir ici au niveau du plan de cours. Est-ce que tout le monde voit bien le plan de cours? Oui. OK. Donc ici, ça, ça reste pareil. Bon. Donc, si je regarde ici, je vais rajouter une colonne ici qui est aide-mémoire. OK? Donc là, au début, ça, c'est les choses qu'on a déjà faites. Bon, l'examen théorique 1 déjà fait. Bon, maintenant, si on regarde depuis le début, dans le fond, le collège Élis a fait de quoi qui est différent des autres collèges, dans le sens que les autres collèges, comme le Cégep, ont décidé d'arrêter 2 semaines. Pour vraiment arrêter les enseignements pendant 2 semaines, nous, on a décidé de poursuivre pour prendre l'avance, pour sauver 2 semaines précieuses, pour éviter les incomplets. Donc, moi, ça m'a permis ces 2 semaines-là de vous donner la théorie qu'on aurait donnée plus tard. Fait qu'on a pris de l'avance sur la théorie. Donc, ici, ce que j'ai fait dans la première semaine, qui est de la semaine du 18 mars, je vous ai mis le cours théorique sur les troubles cognitifs et les chutes chez la personne âgée à la place du laboratoire. OK? Donc, c'était comme 2 cours théoriques que j'ai condensés. Là, vous avez vu, sur Léa, j'ai mis le lien, j'ai mis le PDF du PowerPoint du cours, comme je fais d'habitude. Mais en plus de ça, vous avez le droit d'attendre ma voix sur YouTube que je vais éventuellement rendre plus public parce que là, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable de le rendre pas public puis que vous ne soyez pas capable de le voir. En tout cas, un jour, ça va s'effacer de YouTube. Fait que regardez-le parce que je vous garantis qu'à la fin de la session, ça s'efface de YouTube. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je me suis enregistrée en faisant le PowerPoint. Donc, c'est important.
quand je parle dans le PowerPoint, je fais comme quand j'enseigne, puis vous allez voir les cues sur l'étude importante. Tu sais, vous pouvez dire, ah, je vais juste regarder le PDF, c'est assez, j'ai toute l'info. Mais si vous écoutez la vidéo, ben moi, je fais comme je fais dans mes cours habituels. Je donne les cues sur les choses à étudier, les choses importantes ou mettre l'énergie. OK? Donc, si vous voulez avoir ces cues-là puis avoir un peu plus de détails sur la matière, c'est important de regarder la vidéo. Puis, comme toujours, je mets toujours les chapitres de lecture qui sont en lien avec le précis de gériatrie. OK? Donc, j'ai toujours mis, comme chacun des cours précédents, les chapitres qui sont en lien dans le précis. Donc là, si on regarde ici cette semaine-là, je vois juste. Si on regarde cette semaine-là ici, j'ai mis comme les choses à faire. Donc là, ici, vous pouvez cocher vidéo troubles cognitifs, vidéo des chutes regardées. Puis là, j'ai mis des questions. La plupart, vous me les avez envoyées, je dirais à 90 %, vous me les avez envoyées, 99 % là, quasiment. Les questions de révision puis lecture du précis de gériatrie qui est en lien. Puis la lecture sur le deuxième rapport des chutes que j'ai mis en annexe aussi. Okay? Donc ça, ces documents-là, c'est des documents de référence, mais c'est quand même important de les regarder. Tu sais, le deuxième rapport sur les chutes, il est vraiment long. Surtout, allez voir les tableaux. Puis aussi, un résumé du tableau que j'ai mis dans le PowerPoint qui explique en détail les quatre catégories. D'ailleurs, c'était une de mes questions, les quatre catégories de causes de chute. Donc, vous allez voir dans le deuxième rapport, c'est ça qui est décrit. Donc, suite à ça, je vous avais demandé des questions de révision pour le cours sur les géants, pour le cours sur les troubles cognitifs et chutes chez la personne âgée. Ensuite, je vous ai demandé des questions sur l'incontinence et le Parkinson, sur le Parkinson qui était le cours 3. Puis là, j'ai mis les chapitres qui étaient en lien. Donc là, ici, j'ai mis mes notes pour cette journée-là. Il fallait regarder la vidéo sur le Parkinson puis me renvoyer les questions sur le Parkinson avant aujourd'hui. OK? Puis les lectures dans le précis de gériatrie. Donc, c'est important de m'envoyer les réponses à ces questions-là. Pour moi, ça correspond à votre présence au cours. À partir de cette semaine, le Collège Élis veut que je note s'il y a des absences au cours. Donc, les absences vont être considérées comme, par exemple, ne pas participer à la réunion Zoom d'aujourd'hui. Ça peut être considéré comme une absence. Ne pas me renvoyer les documents qui sont demandés, ça peut être considéré comme une absence. Parce qu'après ça, si on voit que la personne a trop d'absence à ce moment-là, même si c'est formatif, la personne peut avoir des conséquences parce que vous avez un nombre maximum d'absences. Il y en a qui en ont déjà depuis le début de la session, qui sont rentrés. Donc, si vous en accumulez en plus après, ça va être problématique. Donc, c'est vraiment important de me remettre ces documents-là qui confirment que vous avez fait les choses. OK? Donc, maintenant, ce qu'on regarde pour le cours d'aujourd'hui, c'est celui sur les soins à domicile. Donc, j'ai mis aussi le PowerPoint dans Léa sur les soins à domicile et les rencontres interdisciplinaires. Je n'ai pas posé de questions pour ce cours-là parce que je trouvais que ça faisait beaucoup parce qu'en plus de ça, je vous donne l'histoire de cas qui est à compléter qu'on va regarder ensemble après. Fait que je trouvais que ça faisait beaucoup. Puis le fait d'être présent à la réunion Zoom d'aujourd'hui, confirmer votre présence. Donc, c'est normal, vous n'avez pas de questions sur les soins à domicile. Par contre, vous allez avoir l'histoire de cas à compléter. Puis ça, c'est très important parce que j'ai commencé à la corriger pour certains d'entre vous. Merci de me l'avoir envoyé d'avance. Ça m'aide de les avoir un peu progressivement. Là. Puis je vous la corrige. Comme ça, ça va vraiment vous aider pour votre examen pratique parce que c'est exactement comme ça que je vais vous envoyer votre examen pratique d'histoire de cas. C'est la même chose, que ce soit pour le pratique 1, que ce soit pour le pratique 2 aussi. Donc, on va en parler un peu après des évaluations. Là, j'ai mis les lectures qui sont préalables. Donc, moi, je vous demande de me l'envoyer avant le 5 avril, cette histoire de cas-là qui est complétée. Donc, ce que vous avez à faire cette semaine, c'est que là, on fait l'enseignement Zoom ensemble. Mais après ça, j'aimerais ça que vous ayez regardé, si vous ne l'avez pas fait, la vidéo sur l'évaluation à domicile, les lectures, puis l'histoire de cas à compléter, puis à m'envoyer par Mio. OK? Moi, à ce moment-là, moi, en général, je corrige tous les matins. Fait que, sauf la fin de semaine, là, je me donne off. Donc, je devrais être capable de corriger vos histoires de cas. Moi, actuellement, je suis en arrêt de travail de ma clinique. Ma clinique est fermée. Il y a quelques physios qui font de la téléréadaptation et pas moi, donc j'ai un peu plus de temps pour corriger vos trucs. Puis j'essaie d'être assez rapide sur les réponses à vos questions. Fait qu'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Là. Je vais essayer de vous les envoyer rapidement. Aussi, je peux être, si vous avez besoin de me parler, n'hésitez pas non plus. On peut soit céduler une rencontre Zoom ou on peut se parler au téléphone. Là. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ce n'est pas évident à distance. Là. Donc, n'hésitez pas, vous m'écrivez, j'aurais besoin de te parler, puis on va prendre le temps ensemble. Là. Ça va me faire plaisir.
Bon, fait que là, si j'arrive à ce qui s'en vient la semaine prochaine, puis ça, je trouvais que c'est important qu'on se parle, c'est l'examen théorique 2. Là-dessus, là, je suis vraiment, vraiment, je vous rends la vie vraiment facile parce que je vous envoie un examen qui est le même genre que le premier examen. Donc, mais je vous permets d'avoir vos documents pour celui-là. Je suis consciente qu'avec le stress que ça engendre, le coronavirus, avec tous les changements, les adaptations, je vais vous le mettre sur Léa le matin. OK, de l'évaluation. Donc, il va être en version Word. Je vais aussi peut-être vous envoyer par Mio aussi pour être certaine que tout le monde puisse l'avoir. Donc, tout le monde va l'avoir le jour même de l'examen. Et ça va être important de me le remettre avant minuit ce jour-là. Donc, avant minuit, le 8 avril, tout le monde va devoir m'avoir remis leur examen théorique complété. Je vous donne toute la journée pour le compléter. Donc, c'est quand même beaucoup quand normalement cet examen-là devrait prendre maximum 2 heures. OK? Donc, c'est important de me le remettre ce jour-là parce qu'après ça, si vous me le remettez le lendemain, le 9 avril, je vous enlève 1% automatiquement. Fait qu'à chaque jour de retard, je vous enlève 1% par jour de retard. Donc, je vous rends la vie plus facile. Je vous permets d'avoir les livres ouverts. Je vous donne toute la journée, quasiment 24 heures pour faire l'examen, mais je tiens absolument qu'il soit remis le 8 avril avec la preuve Mio, l'envoi Mio avant minuit le 8 avril. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Donc, même si vous avez des tâches du travail, il faut que vous trouviez le 8 avril un moment de faire votre examen. Puis, comme je vous dis, moi, je vous rends la vie quand même assez simple à ce moment-là. Puis, il ne faut pas oublier que le 5 avril, vous devez remettre l'histoire de cas formative. Ça, c'est important parce que j'ai commencé à corriger l'histoire de cas, puis je réalise qu'au niveau du SOPI, c'est quand même difficile la rédaction du SOPI. Puis je vous guide réellement sur comment rédiger votre SOPI dans l'histoire de cas. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que la semaine du 15 avril, c'est là que ça va être l'examen pratique 1 qui vaut 10%. OK? Le même. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous envoyer le matin, vous allez avoir l'histoire de cas, pareil comme ce qu'on vient de faire. Donc, c'est la même histoire de cas que je vais vous envoyer. Pas la même histoire, mais une histoire de cas très similaire avec les mêmes genres de questions que vous allez avoir à remplir les questions. Dans le fond, la seule nuance, c'est que quand on arrive à la question vous filmez, bien, j'ai deux options pour vous. Puis là, c'est là que je vais utiliser mon mode sondage. Tantôt, je vais vous proposer soit que vous me le filmiez. Mais là, mon problème, c'est que si vous m'envoyez une vidéo, j'ai peur que par Mio, ça soit trop gros pour être envoyé. Soit que vous filmiez en train de faire la démonstration de la technique qui est demandée, ou soit qu'on fasse comme on fait par Zoom, que là, je vous fixe chacun un rendez-vous, puis vous m'expliquez la technique ou vous le démontrez devant moi, devant l'écran. Donc, ça va être à voir selon ce que vous préférez. On va faire un sondage tantôt par rapport à ça. Puis là, moi, je vous donne après ça jusqu'au 20 avril. Fait que là, ici, vous avez dans votre note jusqu'au 20 avril pour m'envoyer par Mio. Vous pouvez l'envoyer aussi au Collège Élis. Je ne sais pas si mon adresse du Collège Élis serait plus facile, peut-être. Donc, me l'envoyer à mon adresse du Collège Élis avant le 20 avril. OK? Dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir à rédiger un SOPI de ce que vous aurez fait. On va aller le voir plus spécifiquement avec l'histoire de cas que vous envoyez en pratique. OK? Donc, s'il y a quelqu'un à votre domicile qui peut le faire avec vous, puis faire votre cobaye, c'est parfait. Mais sinon, ce qu'ils vont faire, c'est que dans le monde idéal, ceux qui n'ont pas de cobaye à domicile pour faire une démonstration, je le ferai plus par Zoom. Fait qu'à ce moment-là, on pourrait se parler, puis je poserai des questions. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu en ferais? Pour être sûr que vous ayez le maximum de points. On va ensuite regarder la grille de correction, parce que j'ai déjà mis la grille de correction sur Léa aussi. Donc, ce que je vais regarder, c'est une grille de correction qui est un peu modifiée, mais on va regarder ensemble ce que je vais évaluer dans cet examen à domicile. Par la suite, OK? Pour le cours du 22 avril, il va encore se faire à distance. J'attends encore des nouvelles de Ray Lasselin, qui est le conférencier habituellement sur le programme PIE. Je voulais au moins avoir son PowerPoint pour pouvoir le mettre sur PDF. Sinon, ça va être moi qui va vous donner l'information en fait sur... sous forme de vidéo. OK? En théorie, il devrait
m'envoyer son PowerPoint, donc ça va aider. Mais sinon, ça va être sous forme de vidéo. C'est moi qui vais parler des classes d'exercices puis des conférences sur le programme pied, de ce qu'est-ce qu'il y en est sur le programme pied, parce que Aurel Asselin, lui, travaille au public. Donc, ce qui arrive avec lui, c'est qu'il est quand même pris. Actuellement, les TRP qui travaillent au public sont demandés au secours des préposés aux bénéficiaires. Plusieurs TRP vont aider au niveau des préposés aux bénéficiaires. Donc, ceux qui sont actuellement au milieu public qui sont surchargés. Il y a même des physios du privé qui s'en vont aider au niveau du public actuellement parce qu'on craint qu'il y ait une augmentation des besoins préposés bénéficiaires parce qu'il va y avoir de plus en plus de malades. Donc, les TRP, vous êtes appelés éventuellement. On ne souhaite pas que ça se reproduise quand vous allez être sur le milieu du travail, mais ils ont été appelés à aider. Donc, ça se peut qu'ils ne soient pas disponibles. Donc, je vais voir avec lui. Mais ce que je vais vous demander, c'est pour le cours suivant, ça va être votre devoir à faire cette journée-là du 22 avril, c'est qu'en théorie, on ferait une démonstration, c'est ce qu'on faisait initialement de tout le monde en équipe d'un exercice à décrire. Mais là, ce que je vais vous demander de faire, c'est que vous allez juste me l'écrire, OK? Vous devez écrire un éducatif sur un sujet en lien avec la prévention des chutes. Donc, choisissez le sujet que vous voulez. On a parlé de beaucoup de prévention des chutes depuis le début. Donc, un petit sujet, c'est pas obligé d'être un texte de 10 pages, là. Je veux juste une demi-page. Qu'est-ce que vous diriez à la personne au sujet de la prévention des chutes? Un exercice debout, je suis fatigante avec les paramètres. Je veux tous les paramètres précis de l'exercice debout pour une personne âgée. Un exercice assis et un exercice au sol. Fait que vous me l'envoyez par Mio pour le 26 avril. Donc ça va être votre devoir à faire pour le cours du 22 avril qui va me confirmer que vous avez été présent au cours et que vous l'avez regardé. En plus, cette semaine-là, c'est la remise du dossier d'études. Ça, je n'ai pas changé la date initiale. La seule chose, c'est que je vais vous demander de me l'envoyer par PDF parce que sinon, ça va prendre trop de place si on me l'envoie par Word. Donc, vous pouvez l'enregistrer au format PDF. Ça va être important de nous l'envoyer comme ça. Ça reste que c'est la date du 22 avril qui va être la date qui était prévue initialement. Donc, ça compte pour un autre 10% de votre pondération. Puis là, je veux que vous m'envoyez la vidéo. Comme je dis, ça atteste votre présence. Puis ça, je le veux pour le 26 avril pour ça. Maintenant, le 29 avril, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire encore une rencontre Zoom le 29 avril. Je vais vous envoyer une invitation comme on a fait aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est que ça va être une occasion de réviser toutes nos notions théoriques et nos notions pratiques. OK? Donc, à ce moment-là, on va tout réviser les choses pour se préparer aux examens finaux. Donc, on va faire, si vous avez des questions, même si vous me les envoyez avant, je vais y répondre. Moi, j'ai comme un PowerPoint de révision avec vous des notions théoriques pour vous aider à vous préparer à votre examen. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va pas seulement faire une rencontre Zoom le matin. J'ai mis matin après-midi, mais ça risque d'être à 10 heures le 29 avril. Je vais le rajouter dans le calendrier sur Léa. Donc, c'est important de céduler ça à votre horaire, le 29 avril, le cours de révision, ça va vous aider à vous guider dans votre étude. Parce que après ça, dans le monde idéal, OK, puis ça, on va espérer que ce soit le monde idéal, l'examen pratique qui se ferait à l'école. Donc, à ce moment-là, quand on fait l'examen pratique à l'école, comment ça fonctionne? C'est que je vous donne 10 minutes de lecture de votre histoire de cas, exactement le même genre que j'ai fait, que je vous ai envoyé. La seule différence avec l'examen pratique de 30%, c'est qu'il y a deux choses à démontrer. Une modalité d'évaluation, une modalité de traitement. J'ai encore les deux mêmes questions, contre-indication plus une autre question spécifique. Et vous avez... Fait que là, dans le fond, vous avez 10 minutes pour lire l'histoire de cas, préparer, répondre aux questions. Vous venez dans la salle avec moi, vous me démontrez la modalité de traitement que je vais vous demander, la modalité d'évaluation que je vais vous demander, mais elle va être écrite dans l'histoire de cas, donc vous allez avoir le temps de la préparer. Et par la suite, vous allez avoir 15 minutes pour rédiger votre SOPI. Donc, c'est comme ça qu'on procède pour l'examen pratique. À ce moment-là, on a un horaire. Advenant le cas qu'on ne peut pas retourner à l'école, ce que ça va être, c'est que ça va être par Zoom que l'examen pratique va se faire. Donc, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui puis dans les prochaines rencontres de devenir un petit peu plus à l'aise avec Zoom. Je vais vous donner un rendez-vous précis. OK? Donc, à ce moment-là, votre rendez-vous, par exemple, va être à 8h30 pour votre examen pratique. Je vais vous montrer l'histoire de cas. Vous allez la voir apparaître en partage d'écran comme on fait actuellement. Donc, vous allez avoir le temps de la lire. Je vais vous donner un 10 minutes pour la lire et ensuite, je vais vous demander de écrire vos résultats de l'histoire de cas, d'écrire, de démontrer la technique devant moi, soit avec quelqu'un chez vous ou me l'expliquer comment vous le feriez et m'expliquer comment vous feriez l'exercice. Et par la suite, je vais vous donner
vous allez pouvoir rédiger le SOPI, que là, cette fois-là, vous allez devoir m'envoyer dans la journée même. Donc, le 6 mai, parmi eux, vous allez me renvoyer votre SOPI rédigé. Donc, c'est ce qu'on va faire pour l'examen pratique. L'examen théorique, encore là, le plan A, si dans le monde idéal, on est à l'école, bien, il va se faire aller comme habituellement à livre fermé. Sinon, il va se faire par via une plateforme qui s'appelle la plateforme, je crois qu'il est VIO. Donc, à ce moment-là, c'est un examen à faire en ligne. Par contre, vous allez devoir, avant l'examen, vous filmer pour démontrer que vous n'avez pas, puis vous êtes filmé pendant que vous faites cet examen-là, et moi, je le surveille. Ça va être à une plage horaire précise, qui va être possiblement à la plage horaire... Jean-Nicolas, la porte est ouverte. Excusez, mon chien allait se sauver, la porte vient de s'ouvrir. Ouais. Donc, ça va être à une plage horaire... à une plage horaire spécifique... excusez-moi, de 10h à midi, possiblement la même plage horaire le 13 mai. Donc, ça reste à confirmer parce qu'on est plusieurs à utiliser cette plateforme-là. Donc, cet examen-là, même s'il est en ligne, il va être à livre fermé. Vous allez devoir filmer votre environnement pour démontrer qu'il n'y a pas de livre. Et ensuite, vous commencez l'examen. Puis moi, j'avais une correction en ligne en direct. Donc. J'ai une question. Oui? En fait, Marcel, une question. Je ne pense pas que tu l'avais vue, mais elle demande si tu peux donner des exemples de modalités de traitement. Oui, on va regarder. Je vais juste cesser le partage d'écran parce qu'on va changer. OK. Je vais vous voir puis je vais voir vos questions. OK. Les exemples de modalités de traitement, ça va être par exemple démontrer un exercice. C'est beaucoup ça en gériatrie, c'est démontrer un exercice pour une prothèse de hanche, un exercice à faire coucher, un exercice à faire assis. C'est beaucoup des modalités de démontrer des exercices. Ce n'est pas tant des modalités antalgiques que je vais vous montrer. Ça, vous le voyez plus dans votre cours de soins. Donc, moi, c'est vraiment ce qu'on regarde en gériatrie. Quelle modalité vous pourriez faire pour enseigner un transfert assis à debout? Comment vous enseignerez le transfert assis à debout à la personne? Quel exercice vous pourriez faciliter pour la fonction des membres inférieurs? Quel exercice de coordination vous pourriez donner? Démontrez-moi l'exercice. Donc, moi, en gériatrie, c'est beaucoup des exercices et pas nécessairement des mobilisations ou des palpations. Surtout à distance, c'est sûr que je ne vous demande pas des palpations ou des mobilisations. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que pour les examens finaux, mettons, tu pourrais... Parce que là, je suis comme un peu mêlée dans tout ce qu'on a à faire et à pas faire. Mettons, tu sais, exemple, faire une feuille qui dit... qu'est-ce qui peut être à l'examen? Ben, en fait, là, quand on va voir sur le plan de cours, là, c'est exactement ce qui est écrit à l'examen. C'est toutes les notions des cours théoriques qui peuvent être à l'examen final. Puis quand on regarde dans le plan de cours, je vais juste y revenir. Là. Est-ce que c'est toutes les pièces qu'on a apprises? Puis... Oui. Dans le fond, si on regarde à l'examen, là, c'est exactement à l'examen théorique 1, examen théorique 2, c'est toute la matière qu'on vient de voir. Puis l'examen, le dossier d'études, j'ai écrit, maintenant, l'examen final, c'est toute la matière théorique des cours 1 à 15, tout le contenu des examens théoriques 1 à 2, puis toutes les classes d'exercice et les soins à domicile. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est exactement le même genre d'examen que j'ai fait. Moi, l'examen final n'est pas tellement différent de mes autres examens. Il y a des questions plus générales. Puis souvent, ce que je fais au cours de révision, on va vraiment regarder sur quoi focusser votre étude. Mais c'est vraiment... Puis quand vous écoutez mes PowerPoint là, que je parle, là, je mets beaucoup d'accent sur ce que je trouve qui est pertinent. Oui, pour la théorie, je comprends. Mais pour la pratique... Dans la pratique, ça va être tous les tests qu'on a vus depuis le début, qui ont été vus en classe ensemble, évidemment. Mais il n'y en a aucun qu'on n'aura pas vu en classe. Donc, c'est tous les tests qu'on a vus depuis le début et tous les exercices qu'on a vus depuis le début. Ça aussi, on les a pas mal tous vus. Puis, ça ressemble beaucoup à ce que vous avez vu dans les autres cours. Là. Un exercice de fonction des membres inférieurs, vous l'avez déjà vu, comment en faire, comment en donner. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder, si vous voulez, tout de suite l'exemple de ma grille de correction d'un examen, de l'examen. Comme ça, ça va vous donner une meilleure idée. OK? Je vais juste mettre ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au plan de cours avant? Il y avait une question tantôt sur si les réunions Zoom vont toujours être de mercredi 10h à midi. Je vais essayer de oui, parce que c'est l'heure de notre cours habituel. Parce que j'essaie de garder les plages horaires des cours habituels. C'est quelque chose qu'on s'est parlé entre les profs lundi. On a eu à communiquer parce que
on a réalisé que pour vous faciliter la vie, on va essayer de s'organiser pour qu'elle soit dans la plage horaire de nos cours. Ça va éviter qu'il y ait des conflits. C'est bon? Je pense que les autres profs aussi font ça aussi. Ils essaient de garder la plage horaire de leur cours. Hein? Oui. Donc, si je regarde maintenant, on va aller voir. Ce que je vais faire avec vous, c'est que... OK. Je vais juste aller voir sur... je vais vous amener sur Léa. Est-ce que ça serait possible aussi d'avoir des exemples de paramètres? Parce que moi, ça m'est demandé dans mes questions de révision, puis on dirait que je ne sais pas c'est quoi les paramètres, donc je ne sais pas où aller les chercher. OK. Quand on parle de paramètres, on écrit, un, la position. Ensuite, le nombre de répétitions, le nombre de séries, la durée de contraction, puis la durée de repos entre. C'est ça, les paramètres. Mais est-ce qu'on en a de base qu'il faut respecter ou c'est comme un peu ce qu'on a vu dans les autres cours? C'est ce que vous avez vu dans les autres cours. Mais okay. Il faut être réaliste en gériatrie. Si vous faites tenir une contraction à 2 jours post-op de 2 minutes, ça va être difficile. C'est comme dans l'histoire de cas, faire un test de marche de 6 minutes avec quelqu'un qui est à 2 jours post-op, c'est pas une bonne idée. Okay. Fait qu'il faut être quand même logique dans nos paramètres qu'on demande. Fait que c'est un peu comme les autres cours, mais plus logique. Adapté, exact, plus logique. T'sais, si on est à 2 jours post-op, il faut faire attention aux choses qu'on choisit. Okay. Donc, si je regarde, je vais juste revenir en partage d'écran. Je vais partager mon écran. OK. Donc, là, vous voyez la plateforme Léa, hein? Oui. OK. On va aller au sommaire des documents. Pas au sommaire. Liste des documents, ça va mieux. OK. Ici, là, vous avez tous les documents des cours théoriques, là. Le dernier, soins à domicile, a été mis cette semaine, là. Maintenant, j'ai quand même une bonne idée, moi, c'est qui consulte en passant. Fait que je sais ceux qui ne regardent pas puis ceux qui regardent. Là. Donc, si on regarde les documents de référence, là, j'en ai mis plusieurs. C'est pour vous aider. Ça va vous aider aussi éventuellement. Tu sais, comme quand je vous demande des paramètres d'exercice, allez voir les exercices Parkinson. Vous allez en avoir. Ça vous donne un peu plus d'informations, documents d'information Parkinson. Les documents de référence sur les chutes aussi, c'est intéressant. Dans le programme IMP, vous allez voir, il y a plein d'exercices, plein de choses. Documents de référence, soins à domicile. Si vous travaillez en soins à domicile, ça va être essentiel que vous ayez une bonne idée de ça. Puis guide de référence, organisation de chambre de soins aussi, ça va être très utile si vous travaillez en soins à domicile. Mais je ne vous demanderai pas à l'examen de me nommer quelle distance on doit mettre de chaque bord d'un lit. Là. C'est juste ça, c'est de l'information pour quand vous allez arriver dans le monde de la clinique, que vous allez être capable de savoir où chercher cette information-là, vous l'avoir reçue. Donc, si on regarde la grille de correction de l'examen pratique. Bon, excusez-moi, comme on voit, je ne suis pas à l'aise. Bon. Donc, si on regarde, dans le fond, ce que je vais valider avec vous pour l'examen pratique, c'est si vous démontrez de façon adéquate, tu sais, si vous êtes capable de bien me l'expliquer. OK, moi, je dirais ça à telle patiente, puis vous, si vous êtes capable d'exécuter la technique. OK? Puis si vous m'expliquez à quoi faire attention avec cette personne-là. Donc, si par exemple, la personne elle a un ACV gauche, je vais me dire, écoute, je vais me placer moi du côté gauche pour être certain. Je vais m'assurer que dans mon environnement, il n'y a rien qui nuise. Donc, c'est expliquer quoi surveiller. M'assurer qu'il y ait les bonnes chaussures, m'assurer que la personne est capable de se lever, que la chaise est bien positionnée. Donc, tu sais, ça va être des choses à expliquer sur quoi faire attention, m'assurer que l'environnement est libre alentour. Pensez à vos précautions par rapport à l'environnement qui était comme dans le cours 1 qu'on a vu en labo. OK? Donc, ce que je vais vous demander, ça va être de démontrer la technique, idéalement sur quelqu'un d'autre, sinon me l'expliquer de façon adéquate. Bon, par exemple, si on prend l'exemple de l'histoire de cas que je vous ai donné, le time up and go, c'est que dans le fond, je vais demander à la personne de s'asseoir sur une chaise avec appui-bras et je vais lui demander de se lever, marcher 3 mètres et revenir s'asseoir. OK? Donc, je vais libérer l'espace, je vais faire une ligne à 3 mètres et je vais l'accompagner en la suivant à côté d'elle, du côté gauche. Je n'entends pas encore le cas. Quoi? Mais c'est que j'ai quoi? 04 FDO. C'est-tu correct? Je pense qu'elle parle à son frère. Oui, c'est Alex qui a de la misère avec la connexion, puis elle a oublié d'enlever son son, je pense. Elle va être enregistrée, fait qu'au pire, s'il y en a qui ont de la misère, pourront aller revoir les informations. Oui, il revoit Guillaume, c'est son cours, je le sais. Hein?
Je pense que c'est pas nous qui parle, honnêtement. OK, c'est bon. Non, j'étais juste en train de péter une coche parce que mon Wi-Fi il est trop mauvais. Fait que genre, 2-3 fois par minute, je pars ma connexion, il revient. Je pars ma connexion, il revient. Ça fait genre à peu près 20 minutes que j'ai rien vu encore. Mais là, il est revenu. OK, mais je vais l'enregistrer. Fait qu'au moins, ça va te permettre de revoir ce que j'ai dit. Tout ça est enregistré aujourd'hui. OK, c'est bon. C'est bon. On va mettre le lien sur Léa aussi. Super. Fait que, bref, il faut s'assurer de la sécurité des lieux, expliquer quoi surveiller. Après ça, s'il y a des éléments manquants, ben j'enlève des points. L'application, expliquez-moi comment vous positionnerez l'usager. Si vous avez votre explication, quelles contre-indications selon l'histoire de cas, comment vous feriez ça? Dans le fond, c'est si vous ne m'expliquez pas assez en détail, c'est là que je vais vous enlever des points. Donc, c'est vraiment important de tout dire. Là. Comme si, OK, je me placerais comme ça, je mettrais les souliers, je ferais ça, je me positionnerais de telle façon. Tout dire en détail, c'est bien important. Puis c'est là que ça va vous donner. Après ça, moi, je vous demande toujours le choix des contre-indications précautions. Je vais vous en demander toujours trois contre-indications précautions, exactement comme dans l'histoire de cas. Ça va être pareil. Donc, s'ils sont adéquats et pertinents à l'histoire de cas, c'est important. Ensuite, les tests et modalités de traitement adéquats et pertinents à l'histoire de cas. Comme je disais dans l'histoire de cas qu'on a vu, le test de marche 6 minutes n'est pas pertinent. J'ai oublié de le corriger dans certains que j'ai envoyés. Donc, il faut que ça soit pertinent à l'histoire de cas. Donc, si je demande, là, j'avais demandé trois modalités pour test des membres inférieurs, bien là, si vous avez dit test de marche 6 minutes, bien, ce n'est pas pertinent. Donc, vous perdriez un point. OK? Les éléments du SOPI, on va le regarder ensemble dans l'histoire de cas. S'il manque un élément, etc. Ce qui va être important, c'est que même si on est en examen, un examen pratique, vous allez être filmé, vous allez être devant moi. Il faut être professionnel, dire que vous utilisez vos voiements pour parler à votre client, que vous avez un habillement qui est professionnel. Il ne faut pas avoir d'attitude familière, même si vous êtes avec quelqu'un de votre famille. OK? Fait qu'il faut faire attention parce que là, à ce moment-là, c'est une correction négative. Est-ce que ça vous va pour l'histoire de cas? Oui? Oui. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder l'histoire de cas. OK? Donc, si on regarde l'histoire de cas de M. Giroux, OK? Donc, lui, ce qui est important de noter dans cette histoire de cas-là, là, c'est que c'est une PTH 2 jours, OK? C'est ce qui est important de noter, puis l'approche postéro-latérale, OK? Puis là, on est là pour effectuer le transfert assis debout. Donc, c'est quand même récent comme prothèse de hanche. Donc, c'est important à penser dans nos contre-indications, dans nos tests à nommer, lesquels qui sont pertinents. Donc, ici, on peut regarder, vous allez avoir une histoire de cas exactement sur le même modèle. Ce ne sera pas cette histoire-là, mais ça va être sur le même modèle. Puis, ça va être la même chose à l'examen final. Ça va être une histoire de cas sur ce modèle-là. Donc, on regarde l'âge, pas de troubles cognitifs, une obstruction urinaire. Puis là, ce qui est important, les symptômes subjectifs. Ça peut être important pour votre E subjectif du début. Pas votre E subjectif, mais votre S, en fait. Fait qu'ici, vous pouvez voir ici qu'est-ce qu'il y en a. Vous pouvez écrire ça. 3 contre-indications, précautions au traitement de M. Giroux. Donc, il faut qu'il soit en lien. Donc, important. J'en ai toujours un facile, puis je vous le redis, c'est le consentement. C'est facile, celui-là, il est toujours valable. Fait que vous pouvez toujours le noter, mais on peut regarder les conditions associées, voir qu'est-ce qui serait comme problématique, l'obésité, la douleur. Fait que essayez de penser à quoi qui est en lien. Maintenant, 3 tests pour évaluer la fonction des membres inférieurs. Là, je voudrais qu'ils soient en norme. Il y en a plusieurs qui ont le 6 minutes, comme je disais, ce n'est pas nécessairement approprié pour quelqu'un 2 jours post-op. Donc, c'est important que ce soit 3 tests pour la fonction des membres inférieurs. Donc, ça va être possiblement une question de genre-là qui va être posée. Ça se peut que ce ne soit pas 3 tests pour la fonction des membres inférieurs, mais ça va être une question de genre-là que je vais vous demander dans l'examen. OK? Ensuite, les interventions. Ce que vous allez faire, c'est vous filmer et décrire précisément votre intervention, comme je vous ai parlé avec la grille de correction. Fait que suivez tous les éléments de la grille de correction. Comme celui-là, c'était démontrer une répétition du time up and go. Pour la pratique, vous n'avez pas besoin de m'envoyer le vidéo. Là. Je veux juste que vous sachiez comment le faire. Puis à la limite, pratiquez-le chez vous avec quelqu'un pour dire « OK, j'ai tout fait comme il faut. »
Puis là, ici, c'est important. Le nombre de chutes, je les ai écrits comme si je vous demande un questionnaire, comme le... Si je vous demande, par exemple, un exemple, le berg. Je ne vous demanderai pas de faire le berg au complet, c'est certain. Je vais vous demander de faire l'item 5 du berg. Donc, l'item 5 du berg, c'est, je ne sais plus par cœur, là, mais mettons que c'est l'item 5 du berg, je pense que c'est assis à debout. Ou debout à assis, je ne suis plus certain. Donc, vous allez avoir ça à faire seulement. OK? Donc, mais ce que je vais mettre ici, je vais mettre la norme du test de berg au complet. Puis quand on regarde plus loin, je mets les résultats. Donc, je vais vous donner le résultat du berg au complet. Donc, dans votre analyse de SOPI, ce que je veux, c'est qu'une analyse en fonction de la norme. Donc, c'est important dans votre analyse de dire, par exemple, lui, ce monsieur-là, il a eu 15 secondes. Donc, au-dessus de la norme de 13,5 secondes qui est associée à un risque de chute augmentée. Donc, c'est ce genre d'analyse-là. Aussi important dans la section résultats, tente de se lever en utilisant la marchette. On sait que ce n'est pas un comportement qui est adéquat, qui n'est pas nécessairement sécuritaire. Donc, c'est important dans votre analyse de juger un peu ce comportement-là. Donc, quand vous allez aller voir votre section résultats, parce que je vais vous faire une section résultats pour votre histoire de cas, je veux que ça, ces éléments-là, se retrouvent dans votre SOPI à la bonne endroit. OK? Dans le S, ce qu'on veut voir, c'est le consentement. On veut voir l'état d'orientation. On veut voir la douleur. On veut voir comment la personne se sent. Dans le O, ce qu'on veut voir, c'est les résultats au test que vous avez fait. Le TOG, on ne met pas en annexe. Les petits tests comme le TOG, le Functional Reach, Lateral Reach, ce ne sont pas des tests qu'on va mettre en annexe parce que ce n'est pas un questionnaire standardisé avec plusieurs épreuves. Ce qu'on met en annexe, c'est quand il y a plusieurs épreuves. C'est là qu'on va aller mettre en annexe le résultat. Mais si c'est un test, comme le BERG, le Time Up and Go, Functional Reach, qui est juste une épreuve, à ce moment-là, on ne met jamais d'annexe, on va le mettre directement. Donc, dans le haut, vous allez écrire le résultat de votre test. Puis dans A, votre analyse en fonction. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'assistance? Est-ce qu'il y a besoin de surveillance? Assistance, combien de personnes? Une ou deux personnes? Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'assistance. Il est capable tout seul, mais il y a peut-être besoin de surveillance parce qu'il se lève avec ses mains. Ensuite, je veux que vous ayez une analyse en fonction des risques de chute par rapport à la norme. Donc, c'est important. Donc, il y a 15 secondes, il est au-dessus de la norme. Donc, il y a un risque de chute qui est augmenté parce que sa vitesse est quand même lente. Dans le P, vous pouvez mettre vos objectifs ou vos plans pour le prochain traitement. J'étais assez ouverte à ce niveau-là. Dans le I, pour le I ici, bien là, on avait fait l'évaluation du time up and go. Donc, c'est important de dire qu'on a évalué le time up and go. Ça, c'est sûr que je m'attends à ce qu'il y ait ça. Si vous avez le goût de rajouter d'autres choses que vous auriez fait avec ce patient-là, je n'ai pas de trouble avec ça. Par contre, dans le I de l'examen pratique, la seule chose qui va se rajouter dans l'examen pratique final, c'est que vous n'aurez pas seulement à effectuer une chose, vous allez avoir effectué une évaluation plus une intervention qui va être un exercice. OK? Donc, vous allez écrire dans votre I à ce moment-là l'exercice en détail que vous allez faire pour l'examen final. Dans le E, souvent, si vous regardez ici, on les a ici. On a le E subjectif puis le E objectif. Mettez-le en E subjectif et E objectif, ça va aider. Le R, bien, pensez à une recommandation que vous auriez pu faire. T'sais, il se lève avec sa marchette ou quelle autre recommandation parce qu'il y a de la douleur. Il aime puis qui est présente. Donc, qu'est-ce qu'on peut recommander? Fait que c'est des choses que je veux voir dans le SOPI. C'est puis de cette façon-là que je veux que ça soit réduit. C'est important de me le donner en correction parce que vous allez voir, je pense que ceux qui me l'ont déjà envoyé, ça va vraiment vous guider sur ce que je m'attends du SOPI puis comment le faire. OK? Donc, c'est important de me l'envoyer. Puis ça va être aussi votre présence au cours d'aujourd'hui, l'histoire de cas, à m'envoyer. Il y a la présence à Zoom puis l'histoire de cas. Donc, ça va confirmer votre présence de toute la journée. Sinon, je vais être obligée de mettre des absences aux gens qui ne me le remettront pas. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Ça, c'est pour le 5 avril. Ça, c'est pour le... Oui, c'est pour le 5 avril. Cette histoire de cas-là formative. Puis pour l'examen pratique que je vais vous envoyer en mode Word. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Hervé, est-ce que tu as réussi? Hervé dit que ça bug. Bon, mais ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais l'enregistrer. Fait que les choses qui vont rester à faire, c'est que je vais vous envoyer la rencontre Zoom pour la semaine, pour le dernier cours le 29 avril. Je vais vous envoyer une rencontre Zoom avec une plage horaire. Puis là, ici, je vais juste vous demander la question, puis là, vous allez pouvoir me répondre. Là.
Je vais juste essayer de quoi, là? Je ne sais pas si ça marche, là. Je vais essayer un sondage, là. OK. Bon. Je vais juste essayer de quoi, là, mais... Pour l'examen pratique 1, là. J'ai besoin de savoir qui veut par Zoom ou par... Qui veut par Zoom? J'ai besoin... Je vais juste faire un petit sondage. Ceux qui veulent par Zoom, vous écrivez oui. Ceux qui veulent... Fait que là, je vais juste essayer de voir si ça marche, là. Est-ce que vous le voyez? La question? Non, ça marche pas, hein? Bon, non, on voit pas le sondage. Encore. Hein? On le voit pas, le sondage. Je sais pas, il est censé apparaître où, là? Ce qu'on peut faire, c'est mettre des bonhommes qui claquent si on veut Zoom, puis un quiz si on veut vidéo. Fait que comme ça, on a juste accumulé après. Oui, c'est ça. Je vais juste pas la liste de tout le monde, par exemple. Ce que je vais vous demander, qui va être encore plus simple, là, récrivez-moi parmi vous Zoom ou vidéo pour le premier. Enfin, j'ai juste peur que vous soyez pas capable de me l'envoyer parmi eux. J'ai eu des personnes... Avez-vous essayé d'envoyer des vidéos déjà à d'autres profs parmi eux? Oui. Ce qu'on faisait, c'est qu'on l'envoyait par courriel, sinon. Oui, c'est avec le courriel du collège, on peut l'envoyer par courriel. OK. Ben envoyez-moi-le par courriel. Je pense que ça va être la meilleure façon, peut-être qu'on va être sûr. Parce que le courriel du... vous l'avez dans le plan de cours, mon courriel? Du collège ELIS, qui est mhpaquin@elis.qc.ca, là. Je vais l'écrire à tout le monde. Là. C'est mhpaquin@elis.qc.ca. Ça va être pour tout le monde. Puis si vous préférez le faire par Zoom, ce que je vais faire, c'est que dès que vous me l'envoyez par votre demande par Zoom, on va céduler le jour de l'examen pratique une rencontre. OK? Fait que comme ça, vous allez... qu'on t'envoie tout à cette adresse-là? Hein? Est-ce que tu préfères qu'on envoie tout à cette adresse-là, les histoires de cas, les examens aussi, ou vraiment juste l'examen? Juste l'examen, parce que mon Mio, je l'ai direct sur mon cell. Mon ELIS, je ne l'ai pas direct sur mon cell. Donc, si vous voulez une réponse rapide de moi, si vous m'envoyez par Mio, il y a bien des chances que je vous réponde rapidement, parce que je l'ai sur mon cell. ELIS, je ne l'ai pas sur mon cell, donc c'est juste quand je me connecte à mon ordinateur. Fait que je vous dirais que c'est pas mal tous les matins que je me connecte, là. Mais je vous réponds en général le matin même. Mais sinon, tu sais, si vous avez une question rapidement, je pense que ceux qui m'ont questionné sur Mio, je suis quand même rapide. Parce que on est comme assis avec nos cellulaires 90% du temps. Là. Fait que... Bon, justement, il veut me parler. Bon. Fait que est-ce que ça vous convient comme façon de fonctionner? Vous pouvez mettre les pouces en l'air. C'est bon. Good. Moi, j'ai juste une petite question. Oui. Tu vas-tu pouvoir envoyer les examens en Word et pas juste en PDF? Oui, c'est certain que je vais les envoyer en Word, oui. OK, parce que je ne suis pas capable d'écrire sur le PDF. OK. Est-ce que tu veux que j'envoie aussi les PowerPoint en Word? Ah, ben les PowerPoint, je peux m'y faire en notes. Moi, ça va. OK, c'est bon. Fait que c'est vraiment juste les examens en Word. Ben tout ce qu'il faut, je te remette en remis. Je peux pas l'envoyer à d'autres personnes par la suite. OK, c'est bon. Pas de trouble. Je vais tout envoyer en Word tout le temps. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres choses qui aimeraient que je fasse pour aider? Moi, j'ai une question. C'est parce que je sais pas comment transformer mes travaux Word en PDF. Ah, tu vas dans Enregistrer sous. OK. Attends, je vais te montrer. OK. Fait que ce que tu fais, tu vas dans Fichier. Attends, je vais aller ici. Là. Fichier, enregistrer. Ah, là, c'est parce que je suis sur le. Attendez. Je vais aller sur.
Fait qu'on va dans fichier, enregistrer sous. OK, puis ici, quand tu arrives format du fichier, tu peux choisir en PDF. Je le vois pas, là, mais... Le voyez... C'est buggé sur le plan de cours. C'est buggé sur le plan de cours? Oui. Je vais juste arrêter de partager, puis on va recommencer. Partager l'écran. Là, est-ce que vous le voyez? Oui. OK, fait qu'on va dans Fichier, Enregistrer sous. Puis là, quand vous arrivez ça, vous pouvez choisir la place où vous l'enregistrez. Puis on peut aller dans PDF, format d'exportation. On est obligé de vous l'envoyer par PDF? Ben non, vous pouvez me l'envoyer par Word aussi, là. J'ai pas de trouble avec ça. C'est juste que j'ai peur que votre dossier d'études soit trop lourd pour être envoyé par Word. Si vous êtes capable de l'envoyer par Word, j'ai pas de problème, là. C'est juste que j'ai vraiment peur qu'il soit trop lourd. C'est bon. Surtout si vous avez scanné des documents, fait des choses. C'est juste que le format PDF prend moins de place. Ah, celui-là, vous me l'enverrez à Alice, là, parce que j'ai vraiment peur qu'il soit trop lourd, là. Parce que souvent, les courriels Mio, je pense qu'il y a une limite de quantité qu'on peut envoyer, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je ne vous ai pas montré sur Léa, là, mais est-ce que vous êtes à l'aise avec le calendrier de Léa? Est-ce que c'est de quoi que vous utilisez? Non. Non, rien, parce qu'ils ne l'ont pas corrigé l'année passée. Toute la session d'automne, on n'en a pas eu. Vous n'en avez pas eu? OK. Ben, le calendrier ne s'est pas modifié. Il est resté sur toute la session d'hiver de l'année passée. Ah ouais, fait que là, ce que j'ai mis dans le calendrier, ça veut dire que vous n'en avez pas accès? Ben là, oui, celui de cet hiver, moi, il m'apparaît en tout cas. OK, je vais juste vous montrer ce qu'il y en est, là. Attendez. Je vais juste aller partager. Parce que... Bon, si on regarde... Parce qu'ici, il y a un calendrier qui est ici. Fait qu'on peut aller voir au calendrier de la classe. Donc, vous avez comme là toutes les choses à remettre à chaque jour. Donc, si vous cliquez, j'ai mis toutes les dates examen théorique, la date de remise, je l'ai mis là, la date limite pour la remise d'histoire de cas. Donc, j'ai fait ça pour vous aider à vous organiser. Est-ce que ça, vous en avez accès? Je vais aller voir, là, je ne sais pas. Oui, ça, oui. Fait que, tu sais, ce que vous pouvez faire, ce que je vous suggère, c'est soit de vous le faire imprimer ou vous le noter. Tu sais, je l'ai mis sur le plan de cours, puis je l'ai aussi mis dans le calendrier parce que je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider. Moi, je suis du genre Miss List, là. C'est, tu sais, quand je parlais de trucs pour vous aider à vous organiser, là, c'est le genre de choses que moi, j'aime utiliser, là. Puis j'ai mis ici en mai les cours de révision que là, il va être par Zoom. Lui, je vais le modifier, là. Zoom de 10h. Je vais faire une vidéo de révision à regarder, mais on va le faire par Zoom en direct ensemble. Comme ça, on va être en mesure de répondre à toutes les questions. Que vous pouvez voir là. Examen pratique, examen théorique. La remise du devoir, je l'ai mis là. Fait que c'est vraiment dans le calendrier dans Léa. Je ne sais pas si votre affichage est similaire au mien. Ça doit ressembler un petit peu. Là. Est-ce que vous y avez accès à Léa comme ça? Oui. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre chose pour vous aider à vous organiser. Moi, je vous suggère de vous faire, peut-être vous mettre un peu à l'horaire comme on fait nos cours de gériatrie le mercredi, dire, OK, le mercredi, c'est ma journée gériatrie, je le fais au complet. Ou si vous voulez, moi, j'aime bien donner tout d'avance parce qu'il y a deux types de personnalités. Il y a ceux qui aiment ça avoir d'avance puis clencher ça puis dire, OK, c'est fini, gériatrie. Ou il y a les autres qui disent, OK, moi, je vais suivre l'horaire puis je vais y aller dans le plan de la journée. Fait que j'aime bien vous donner les choses en avance le plus possible pour vous donner l'option de choisir la façon que vous préférez. Je sais qu'ils suggèrent des fois de suivre l'horaire des plages horaires de cours pour vous donner une chance. Là. Ça va être un peu, tu sais, si je regarde là, mes vidéos que je fais, c'est moins long qu'un cours théorique quand je parle parce qu'il n'y a pas d'interaction. Donc, ça vous prend moins de temps à écouter les vidéos que quand je parle devant vous. OK? Donc, puis vous allez voir sur YouTube la durée des vidéos à peu près. Là. Donc, ça va vous donner une idée. En plus, vous avez des jappements en parallèle. Fait que...
C'est ce que là, je fais pas disprise, là, désolée. Là. C'est pas que je veux pas, là, mais si à chaque fois qu'il y a un jappement, je recommence mon vidéo, là, je réussirai jamais. Okay. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que tout est sous contrôle? Ben moi, j'avais une question. Oui. Ben là, on est un. Ben moi, en tout cas, je suis un peu mêlée là, par rapport à Zoom. Là, l'examen du 8, l'examen pratique là, qui s'en vient, que je ne sais plus c'est quand que je l'écris. Oui. Lui, on a le choix de le faire sur Zoom ou par vidéo? Exact. Okay. Vous avez le choix de le faire soit sur Zoom ou par vidéo que vous m'envoyez. OK. Puis l'examen final, est-ce que c'est sur Zoom ou c'est le même principe, on le décide? Ou c'est comme... Non, en fait, l'examen final, c'est Zoom sur si on est à distance ou pour de vrai. OK, parfait. Donc, c'est juste que l'examen, premier examen pratique, je vous donne le choix. Là. Il y en a qui vont dire, ben, j'aime mieux le faire sur Zoom pour me donner la pratique de le faire sur Zoom parce que si l'examen final arrive comme ça, je vais le choisir sur Zoom. Ou pour moi, c'est difficile de me filmer avec quelqu'un puis je suis pas à l'aise avec le système de me filmer. Donc, je vous offre le choix pour le premier pour enlever la pression aussi. Puis je vous donne une semaine quand même pour tout remplir. Good, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va savoir d'autres rencontres Zoom comme la semaine prochaine. Tu fais-tu un cours de Zoom de 10h à midi? Non, la semaine prochaine, vous avez votre examen à remplir. Ah oui. OK, oui, c'est vrai. Puis l'autre semaine, c'est l'examen pratique. Puis après ça, là, je vais vous envoyer les trucs de soins à domicile. Pas les soins à domicile, mais la classe d'exercice. Donc, l'autre semaine d'après, c'est votre classe d'exercice à préparer. Fait que le cours Zoom qu'on va avoir, ça va être la semaine avant les examens. OK. Qui va être le 29 avril, je crois. Donc, on se reverrait par Zoom le 29 avril. Mais par contre, si vous sentez le besoin, que vous avez besoin de discuter, vous avez des questions, c'est comme une rencontre un à un. Là. Chaque étudiant, vous pouvez me rencontrer un à un. Puis n'hésitez pas, là, si vous dites, écoute, j'ai des questions, je ne sais pas vers où m'aligner, bien, vous m'écrivez, puis on se fixe une rencontre Zoom, ceux qui le désirent, là, quand vous voulez. Là. Je suis disponible pour vous. Comme je vous dis, je ne travaille pas, là, j'ai le temps. Okay, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous aider. Si vous n'êtes pas sûr dans des documents, dans des choses, écoute, vous n'hésitez pas à prendre des rencontres avec moi, puis je vais vous aider. C'est bon? Est-ce que ça vous convient tout? Est-ce que vous voulez voir Gus avant qu'on finisse? On veut voir Gus! On va finir avec Gus, là. On va finir sur le podcast. Check Charles. On fait Gus. Dans cette classe-là, on a un chien qui vient dans la classe avec nous. Il s'appelle Gus. Okay. Attends. Bon. Oh! Il dormait. Il était tout dormant. Petit loup, on l'a réveillé. Oui, mais c'est correct. On va en profiter quand il dort, parce qu'il dort pas tant que ça comme chien, là. Hein, Gus? Fait que là... Ça va vous mettre un peu de vie dans votre journée, dans notre confinement. Fait que là, je sais pas, soyez sages, restez à l'intérieur, faites attention à vous. Puis on lâche pas, on va l'avoir la session. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir réussi à avoir votre cours de gériatrie au complet. Donc, si vous travaillez fort, vous n'aurez pas d'absence, ça va aller bien. Vos examens, ça devrait bien aller, là. Honnêtement, je ne vous ai pas rendu la vie difficile pour vos examens de gériatrie, là. J'essaie de ne pas vous mettre de stress avec ça. Je sais qu'il y a des cours qui sont plus stressants. Là. Mais dans mon cas, je ne veux pas vous rajouter de stress. Est-ce qu'il y a des questions, autre chose? Ou C'est bon? Excellent. Donc, je souhaite à tous une bonne fin de journée. À toi aussi. Bye. 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 Juste ça, en gros. Oh, salut, là! Bye! Faut qu'il y ait... Attends, je mettrai à la réunion pour tous, ça va aider. Oh non!